CM1, l'imparfait. L'imparfait est le temps qu'on utilise pour décrire au passé. Prenons cet exemple tiré de l'œil de loup de Daniel Pédac. Jusqu'à la semaine dernière, le loup s'arrêtait quelquefois de marcher. La louve et lui s'asseyaient en face des visiteurs. Et c'était exactement comme s'ils ne les voyaient pas. Le loup et la louve regardaient droit devant eux. Leur regard vous passait au travers. On avait l'impression de ne pas exister. Dans cet extrait, l'auteur décrit ce qu'il se passait jusqu'à la semaine dernière. C'est bien la description d'une situation passée. Tous les verbes sont conjugués à l'imparfait. Pour construire l'imparfait d'un verbe, il faut, premièrement, trouver le radical du verbe. Deuxièmement, ajouter la terminaison. Alors, comment trouver le radical du verbe? Il suffit de retirer la terminaison ons de ce verbe conjugué à la première personne du pluriel au présent d'indicatif. Pour mieux comprendre cette phrase, voyons un exemple. Si nous prenons le verbe chanter et que nous le conjuguons au présent de l'indicatif à la personne nous, nous obtenons nous chantons. Nous retirons la terminaison, ons, nous obtenons donc le radical, chant. Faisons de même pour le verbe finir. Nous obtenons nous finissons, et le radical sera donc finissent. Voyons aussi le verbe prendre. Nous obtenons nous prenons, et le radical sera donc prennent. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? Quel que soit le verbe, les terminaisons seront toujours les mêmes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je vous conseille de connaître ces terminaisons par cœur. Bien, maintenant que nous avons l'outil, comment conjuguer un verbe? Prenons par exemple le verbe faire à la deuxième personne du singulier. Commençons par le conjuguer avec nous au présent, nous faisons. On obtient le radical FAIS. Quelle est la terminaison? AIS. Nous obtenons tu faisais. Deuxième exemple, prenons le verbe lire qu'on va essayer de conjuguer à la deuxième personne du pluriel. Nous lisons. Nous obtenons donc le radical li avec un S à la fin. La terminaison est IEZ, vous lisiez.